Salut à tous, donc ici c'est De Carafe. Alors aujourd'hui on est au Zoot Grand Prix, donc c'est le premier vlog que je fais sur ma chaîne YouTube. Donc les vlogs ce sera en français parce que je parle anglais mais c'est pas terrible on va dire, voilà, ça vous savez. Alors aujourd'hui c'est le week-end du Zoot Grand Prix, donc c'est un des plus grands événements en Belgique. J'ai le soleil en plein tronche, c'est terriblement désagréable. Voilà, alors c'est un des plus grands événements en Belgique d'automobile. Donc c'est-à-dire, c'est quoi en fait un peu le Zoot Grand Prix? Ben, c'est un peu comme Pebble Beach, concours d'élégance, sauf qu'on n'est pas en Californie et on a la mer, mais ce n'est pas les côtes californiennes, hein, il ne faut pas rêver non plus. Ce n'est pas le climat, quoique ce week-end je crois qu'on aura un peu de chance parce qu'il fera beau et tout. Donc on va voir un petit peu. Donc aujourd'hui on est vendredi et vendredi c'est le premier jour du rallye classique. Parce que le Zoot Grand Prix c'est quoi? Donc c'est plusieurs événements. C'est un rallye classique, c'est un rallye de voitures modernes, c'est un concours d'élégance, il y en a même deux concours d'élégance, et c'est... qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Et il y a une vente aux enchères, Bonhams en l'occurrence. Donc on va aller voir ça de plus près. Voilà, donc comme je vous ai dit, on est vendredi, donc on va commencer notre petit tour de la ville. Les marques représentées ici au Zoot Grand Prix. Alors là, comme vous pouvez le remarquer, donc on fait ça en attendant, je vous explique, parce que bon, le rallye est parti ce matin des voitures classiques, donc maintenant la ville est un peu morte. Donc c'est le bon moment pour filmer un peu les voitures qui sont sur les podiums. Alors là, vous avez devant vous des superbes anglaises, Jaguar. On va attendre cette voiture de golf. Ah, il n'y a que ça ici, hein, je vous rassure, il n'y a que ça. Alors, on va voir la Jaguar ici. Alors, c'est la X Project 8, Project 8, Projet 8, enfin tout ce que vous voulez. Ça, c'est juste une bagnole somptueusement magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu ça, enfin, c'est carbone partout. Voilà. Les freins, c'est du carbone aussi, carbone céramique pour être précis. Pneus Michelin, pilote super sport. Faut bien accrocher la bête. Alors, je sais pas si... Le truc le plus impressionnant sur cette bagnole, c'est la largeur des ailes arrière. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais c'est un truc de fou. Voilà. Donc, c'est vraiment super élargi. Regarde, tu peux même déposer ton gobelet ici. Enfin, c'est un truc de fou. Alors, moi, ce que j'aime bien avec cette bagnole, c'est pas comme tous ces autres constructeurs de merde maintenant qui font. Quand Jaguar fait des échappements, c'est 4 vraies sorties et 4 gros diamètres. Vous voyez aussi bien là que là, des grosses sorties. Donc avouez que c'est quand même pas mal, parce que maintenant les tout plein de constructeurs, ils font des soi-disant des grosses sorties, mais qu'après ce sont des rikiki ridicules. Donc ça a quand même un peu d'allure. Alors à côté il y a la F-Type V6, toujours mieux que 4 cylindres. Voilà, on va aller voir les autres voitures maintenant. Enfin un petit tour encore de celle-là. Voilà, on va continuer la suite. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une Alpine. Et oui, la marque Alpine est revenue il y a un petit temps déjà. Ils nous présentaient des concepts à tire-larigole. Bon, maintenant, ça, c'est la voiture définitive. Dans le traditionnel bleu Alpine. Ça reste quand même une voiture qui a quand même, malgré tout, de la gueule. Ça ressemble quand même fort à l'ancienne. Donc ça, c'est bien. Hein, avec les petits phares au pare-choc et tout. Donc voilà. Un autre standing, Lamborghini. Là on a le Urus. Alors moi personnellement j'aime pas, moi les 4x4 et tout ça j'aime pas trop. Ça c'est déjà mieux. Lamborghini Huracan Performante dans un gris mat. Alors couleur super triste, enfin couleur là pour la Belgique. Hein. Je vous rappelle que la Belgique c'est pays spécialiste pour que tous les propriétaires achètent leur voiture grise, grise ou noire. Donc voilà Lamborghini, Urus et Performante. Alors là, c'est la place Albert, place Matuvu, quoi. Hein. On connaît. Alors là, on a le podium BMW. Alors avec la nouvelle série 8. Ça a quand même de la gueule, faut dire ce qu'il y a. C'est pas vilain du tout. Alors je ne sais pas si on va voir, mais à l'intérieur, on ne voit pas trop. Moi, ce que j'aime bien à l'intérieur, c'est qu'ils ont vraiment repris la console centrale
comme l'ancien des années 90. Alors ça, c'est un petit détail, peut-être que pas beaucoup de gens ont remarqué, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce détail. Oui, ça attire tous les âges. Alors là, on a, on va dire, la série 8, mais en version 4 portes, série 5, donc. Ici, dans sa version M, 600 chevaux, je crois, enfin, avion de chasse, pour aller vite à la Côte d'Azur, tout avec le confort. Bon, ça, c'est le podium Porsche. On va pas trop filmer de Porsche. Malgré que c'est 70 ans cette année, bon, on va pas trop exagérer, parce que des Porsche, comme il y a, comme les deux sur le stand, là, on va on en voir blindés de chez blindés. Limite, après la fin de journée, ici, on va même plus les regarder. Alors ici, maintenant, on a Aston, qui présente la DB11 Cabrio, enfin Volante, et la DB11 Coupe. Oh, punaise! Le live de fou. Alors, là, on a quelque chose de super rare. Super, super rare. Une, je ne sais même plus le nom, Azzutto, machin. Enfin. Zeruno, voilà. Ah bah ça, c'est une bonne surprise. C'était pas prévu, hein, mais bon. Voilà. Alors là, on a deux Audi R8 V10 et je crois que la blanche, c'est la LMS, donc c'est la version propulsion, donc version cool, on va dire. Hein, au moins, c'est une voiture que tu peux encore un peu jouer avec. Donc c'est ça qui est chouette. Alors derrière, on a sa sœur, enfin sa grande sœur, la version LMS, mais vraie LMS entre guillemets, la version course. Hein, donc LMS qui sont les initiales de Le Mans. Voilà, donc c'est quand même deux belles bagnoles, on voit vraiment la version normale et version course. Et alors en live, qu'est-ce qu'on voit? McLaren 570S, peut-être une GT, on va voir le toit. Non, c'est une S, c'est une S, mais quand même un chouette bruit. Hein. On dirait pas trop que c'est un moteur turbo, quoi. C'est ça qui est chouette. Par contre, ouais, la Lexus, là, ça fait pas de bruit. Ça, on a l'habitude, une Lexus qui ne fait pas de bruit, sauf une LFA. Ça, c'est autre chose. Alors, le podium Rolls-Royce. En fait, toutes les bagnoles sont belles. Hein. On va pas dire qu'il y en a qui sont moches. Hein. À part, ouais, peut-être la Zeruno, là, ça, il faut peut-être faut aimer. Quoi. Voilà, ça, c'est les goûts, les couleurs, ça, c'est dans la nature, ça, il n'y a rien à faire. Donc, voilà, deux Rolls, la Ghost et la Dawn, qui est la version Ghost, mais Cabrio. Camionnette aussi, super rare, parce que limite c'est plus rare de voir un Opel Vivaro, tu vois, on fait une petite pub au gars en même temps, c'est plus rare de voir une camionnette Vivaro qu'une Rolls ou une Porsche, quoi. Surtout durant ce week-end, ça c'est pour dire ce qu'il y a, voilà. Donc là maintenant on est sur la digue, enfin, j'ai un peu réglé le focus, voilà. Donc là maintenant on est sur la digue avec toutes les marques qui présentent leurs bagnoles. Donc là c'est le groupe Gignon. Donc oui, pour les étrangers qui ne savent pas, enfin pour les non-belges, Gignon, c'est un groupe automobile, c'est l'importateur McLaren et Rolls-Royce en Belgique. Voilà, comme ça vous savez. Alors il y a quelques belles bagnoles, donc Rolls, enfin deux Rolls, plus celle sur les podiums, là, la Dawn, la Ghost. Voilà. Alors là on a la McLaren 600LT, version un peu boost de la 570. C'est une grosse Lotus Elise, quoi. Donc ça. On va aller. Ouais, là, il y a une belle Ferrari 330. Enfin, je sais plus trop le modèle. Je crois que c'est 330 GT. Hein. Ça. Ouais, les McLaren là. Alors là, on a le The McLaren de ces derniers jours. Enfin, je ferai une vidéo à part de celle-là. Donc ça, c'est la McLaren celle-là. C'est marqué dessus. Superbe couleur, bleu mauve comme ça, avec l'immense planche à repasser derrière, pratique, ou bar, ça dépend à quelle heure, planche à repasser on va dire le matin, bar pour le soir, voilà. Alors là on a le super beau stand, le plus beau, hein, voilà, je le dis clairement, c'est le plus beau stand, c'est celui d'Aston Martin. Pourquoi le plus beau? Parce que c'est avec les plus belles voitures, tout simplement, donc voilà. Oula, je suis en train de déconner avec l'ISO là, c'est pas grave. Voilà, on va mettre ça comme là maintenant. Voilà. Donc là on a les nouvelles Aston. Donc on a une DB11 en champagne métal foncé.
très spécial mais très beau. On a là encore une DB11 noire, on a une DB11 cabriolet noire et on a une Vanquish gris foncé considérée comme noire. Donc oui, chez Aston les couleurs c'est pas trop leur fort. Ça c'est rien que tel qu'un beau vert anglais, intérieur tabac encore une fois et puis voilà. Alors là on a une chouette V8 Vantage, la nouvelle, la toute nouvelle. Et en Union, style Union Jack, c'est super beau. Ça franchement, ça a de la gueule. Et la nouvelle V8 Vantage est quand même assez bien réussie. Alors on a encore un exemplaire là. Donc c'est quand même une belle auto. Faut dire ce qu'il y a. On a là tout nouveau modèle, DBS Super Legira. Full noir. Noir, jante noire, étrier noir, intérieur noir, enfin. À part le logo et le logo DBS. Mais sinon, tout est noir. T'as la gueule, hein, ça fait très agressif quand même. Mais le noir, on voit pas les. Allez, on voit pas les lignes de la voiture, on voit rien. Enfin, c'est vraiment pas beau. Faudrait une belle couleur comme la Bordeaux ici à l'intérieur. Bon, j'ai été la voir tantôt, mais bon, voilà. Ça a une autre allure. Donc voilà, là on a mis les lunettes de soleil parce que le soleil donne vraiment bien. C'est pas le soleil californien, mais ça donne quand même bien. On a mis la petite casquette aussi hein, pour faire un peu style so British knock le zout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller voir, on va se mettre à un endroit atypique, le rond-point Q8. Souvent il y a des grosses bagnoles qui passent là. Donc étant donné qu'on a fait tous les stands, les podiums et tout, donc ça, ces bagnoles ne bougent pas. On va aller voir un peu. Donc il y a les visiteurs qui vont arriver petit à petit avec leurs belles autos. Donc on va s'installer, on va regarder ce qui passe. Alors ça, on n'en voit plus beaucoup, super rare, il n'y en a pas eu des masses. Jaguar XKRS cabriolet élégance à l'état pur quoi. Wow. Les américaines. Alors, ma chaîne YouTube, c'est pas uniquement les nouvelles supercars comme beaucoup d'autres, c'est aussi les vieilles voitures. Hein, comme le Zoot Grand Prix, on a un événement de belles voitures. Je vous montre celle-ci qui est super rare. Enfin, je ne pense pas que ça existait d'usine. Enfin, on a devant nous une Mercedes 507 cabriolet, super rare. Normalement, c'est tout des conversions. Mais ça a une gueule à la pas possible. Déjà la 507 à la base est super belle, mais alors celle-là, c'est encore mieux quoi. Voilà, donc ça c'était un peu la première journée. On va un peu arrêter la journée là parce que pff, elle est bien comme ça. Je vous ai pas tout montré. Sorry, il y a tellement à montrer. Hein, durant ce week-end de Zoot Grand Prix. Ici, je vous ai montré principalement donc, les voitures sur les podiums, sur la digue, les marques représentées un peu, etc. Je ne vous ai pas tout montré, toutes les marques, mais enfin bon, voilà. Il y a encore les autres jours, demain, après-demain, enfin donc samedi et dimanche. Demain, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer le départ des rallyes, enfin du rallye classique, hein, donc des anciennes. Enfin, je publierai la vidéo en tout cas, j'expliquerai un peu et tout. Filmera un peu les voitures. Demain, ça va être le concours d'élégance. À moi, je pense qu'il y aura quelques belles bagnoles. Donc voilà, n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, ben, faites ça tout simplement. Voilà.
Si vous voulez que j'améliore des trucs, c'est mon premier vlog, donc voilà, pas très à l'aise, les gens qui te regardent un peu bizarre, ils se filment avec sa caméra, enfin voilà. Hein, il faut tout essayer dans la vie, on verra bien. Donc voilà, et je verrai donc si ça vous a plu ou pas. Merci, allez à la prochaine, ciao.